Bienvenue à vous tous, mesdames et messieurs. Si vous nous rejoignez, vous êtes sur Congo Live Télévision. Nous vous accompagnons une fois de plus. Mesdames et messieurs, les décryptages autour de l'actualité sécuritaire dans la partie orientale du pays. Nous sommes en province du Nord qui vous voilà. Les territoires des Masisi, Nyiragongo, Rutshuru, théâtre toujours de ces affrontements entre les forces armées de la République démocratique du Congo appuyées par les jeunes patriotes Wazalendo. Ils font face aux éléments RDF, UPDF qui agissent sous le label M23 en République démocratique du Congo. On va en parler, mesdames et messieurs. Qu'est-ce que nous devons aussi retenir de l'offensive diplomatique menée toujours par la République démocratique du Congo? On nous parle, voilà, d'une probable, d'une prochaine rencontre plutôt entre les deux chefs d'État. Alors, est-ce que les conditions sont réunies pour que ces deux chefs d'État puissent se rencontrer? Les ministres des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo est revenu sur cette question. Et pour lui, il y a des conditions. Et la condition que la République démocratique du Congo met en avant, c'est celle de voir les troupes de l'armée rwandaise se retirer de la République démocratique du Congo pour entrevoir maintenant des discussions entre la République démocratique du Congo et les Rwandais. Alors, est-ce que les Rwandais, vous les voyez aussi obtempérer à ça? Mesdames et messieurs, quelles sont vos attentes aussi par rapport à cette nomination, Madame Judith Toulouka, voilà, qui est première ministre pour l'instant en République démocratique du Congo, elle qui se penche aussi sur la question de l'insécurité, voilà, à l'est du pays. Elle est revenue sur cette question. Et elle garde une pensée piaise, voilà. Donc, on peut aussi en parler. Est-ce que c'est la personne qu'il faut justement pour aider les chefs de l'État à pacifier cette partie orientale du pays? Je reçois pour en parler un acteur politique. Il est cadre de l'Union sacrée en République démocratique du Congo. Docteur Patrick Bala, que je reçois en direct. Bonjour et bienvenue sur Congo Live Télévision. Bonjour, monsieur Jenny. Bonjour à tous nos téléspectateurs. Dites-nous d'abord comment vous allez. Vous avez eu des problèmes avec la santé, docteur Patrick Bala sur Congo Live. On a même abordé cette question dans une de nos émissions. Dites-nous, est-ce que vous allez bien? Je tiens tout de même à rappeler que ce sont là les conséquences de l'agression que vous avez subie, ou disons, de votre emprisonnement au Rwanda, des tortures que vous avez subies. Et aujourd'hui, vous êtes en train de subir toutes ces conséquences. En tout cas, sur le plan sanitaire, comment est-ce que vous allez? Ouais, sinon, ça évolue quand même. Je me suis rétabli, mais pas totalement, parce qu'il faut continuer à l'extérieur du pays. Donc, on a repris quand même un peu de force en entendant l'évacuer. Donc, j'en profite pour remercier tous ceux qui nous ont soutenus, parce qu'ils reconnaissent le sens de notre lutte. Plusieurs nous ont connus il y a longtemps. Sinon, on tient toujours à leur soutien pour nous faciliter cette évacuation. Mais cela ne nous empêchera pas de continuer notre lutte pour faire du Congo un pays libre, indépendant et réellement souverain. Voilà un peu la situation actuelle. Docteur Patrick Bala, les forces armées de la République démocratique du Congo, au-delà du fait de bloquer l'avancée de l'ennemi, aujourd'hui, des pertes ont été enregistrées, que ce soit le week-end dernier, voire même en ce début des semaines, jusqu'à ce que les M23 ont réussi une fois de plus les renforts venant du Rwanda de l'Ouganda, la société civile qui nous a alertés par rapport à la traversée des troupes rwandaises. Alors, comment vous, personnellement, vous analysez cette situation? Les FARDC aujourd'hui résistent face à l'ennemi. Au-delà de la résistance, les FARDC aussi arrivent facilement à attaquer l'ennemi dans certaines positions qu'ils gardent au niveau, autour des Saké, quelques collines qui ont été même récupérées par les FARDC. Oui, d'entrée de jeu, je commence par saluer la bravoure de nos forces armées, des forces tellement requinquées qui donnent de l'espoir à tout un peuple longtemps meurtri. En même temps, je salue la mémoire de tous ceux qui sont tombés au front juste pour défendre notre patrie, ce sont nos légués par nos aïeux. Je pense à Kipa Vita, Mwambi Kadima Moulaya, Simon Kimbangu, Patrice Emery Lumumba, Etienne Tshisekedi, plusieurs de nos martyrs, Laurent Désiré Kabila. C'est pour que le Congo reste un et
formation que nous avons eue en week-end depuis le vendredi, ça nous a remonté encore le moral. Plusieurs Congolais à l'Est très contents, voyant comment ces incirconcis du Rwanda ont été baïonnés sérieusement. Nous n'avons fait que saluer, mais nous préférons que nous entrons dans une phase d'une guerre au lieu de rester dans une offensive qui ne fait que demeurer dans la légitime défense. Nous pensons que sur notre sol, nous devons pas seulement résister, on doit résister quand on nous attaque, mais nous pensons qu'il y a de la saleté sur le sol congolais. Il faut nettoyer la République, il faudrait que nous nous prenions de l'avance, que nous puissions attaquer toutes les oppositions, balayer et chasser. Parce que, de par les discussions, on a demandé au Rwanda de pouvoir retirer ses troupes, parce que là, ils ne se tempèrent pas. Nous, on n'a pas à attendre à cajoler le Rwanda. Nous, nous devons nous assumer en tant qu'État, en tant que peuple, en tant que République, le pouvoir pour la gauche. Et si on recourt, il faudrait nettoyer ces gens, les corriger sérieusement. Et à l'allure où nous allons, dès qu'on arrive à couper la RN2, je pense, on aura cloisonné tous ces Rwandais-là. Et je pense que ça pourrait être la fin d'une guerre sur le front militaire. Nous espérons qu'en matière de technique, tactique, stratégie militaire, que nous ne maîtrisons pas comme les phares d'essai, ils pourront tout faire pour couper cette route. S'ils parviennent à couper cette route, je pense que de part et d'autre, c'est-à-dire ceux qui sont du côté ça, qui seront cloisonnés, ne sauront pas par où passer. Ceux qui seront du côté, qui étaient du côté ruine et qui vont déjà vers Kikoukou, là, soit d'être totalement encerclés. Vous avez vu déjà vendredi, samedi, quand on les a chauffés, plusieurs se sont dirigés vers Vitumbi. Et d'autres se rendent au FRDC. Il n'y avait que le lac. D'autres se sont rendus au FRDC. Plusieurs se sont rendus au FARDC, plusieurs ont été calcinés. Ceux-là qui se sont retrouvés à Vitumbi, là, il n'y a pas d'issue pour s'en sortir. Ils étaient obligés soit de se noyer dans le lac Edouard, soit de prendre les hors-bords des pêcheurs pour fuir vers l'Ouganda. Oui. Il faudrait garder cet élan-là, qu'il n'y ait pas de recul, faire des cessez de feu, observer, non. Moi, je pense qu'on doit continuer avec cet élan en train de chasser. Nous devons nous assumer. Les populations, elles veulent bien rentrer chez elles pour vivre tranquillement et heureux. Ça, c'est notre demande auprès des autorités militaires et au chef de l'État en tant que commandant suprême de pouvoir mettre le pied fortement sur l'accélérateur, qu'il n'y ait pas de temps mort, qu'on aille en série sans temps mort. Je pense qu'on déstabilisera totalement. En cloisonnant les deux camps, on aura beaucoup de rendus et ces rendus pourront répondre à la peine de mort. Alors, docteur Patrick Bala, au même moment, c'est vrai, il a l'ennemi qui a enregistré des pertes aussi énormes dans ses rangs. Tout d'un coup, voilà, il a renforcé. On a vu les militaires, ces alertes, voilà, qui nous sont données par la société civile, les troupes, les éléments du RDF, voilà, qui ont traversé la frontière RDC-Rwanda en passant par les territoires de Nyiragongo. Et d'autres, on a même signalé à Bunagana la traversée des militaires avec les engins lourds pour venir renforcer les rangs de l'ennemi. Alors, cette façon de faire, en tout cas pour l'ennemi, est-ce que vous le voyez aujourd'hui prêt à abandonner au-delà de tous ces appels qui sont venus au niveau international pour demander à ce que les hostilités, qu'on cesse avec les hostilités, au-delà du fait de cesser avec les hostilités, de retirer même toutes les troupes présentes aujourd'hui en République démocratique du Congo. Mais l'ennemi renforce aussi ses rangs. Oui, on a suivi les alertes à gauche, à droite de la société civile. Ils ont renforcé Bunagana, ils ont renforcé Kibumba, là on a vu les tenues militaires de l'Ouganda et du Rwanda. Je pense à nous de nous assurer. Mais face à cela, c'est pourquoi je reviens à ce que je disais. Il faudrait que nous restions dans un élan sans rupture pour aller jusqu'au bout avec ces gens. Alors, il faut comprendre que sur le plan diplomatique, ces gens-là n'ont le seul Congolais qu'ils ont déjà occupé. Donc, vous savez que la guerre, c'est l'ensemble de plusieurs fronts. Ils se sont rendus compte qu'ils ont perdu sur tous les fronts, que ce soit économique, que ce soit diplomatique, qui sont des grands fronts. Ils sont restés que sur le plan militaire.
Alors, pour être important, pour être aussi exigeant et fort lors des négociations, ils veulent aussi être en état de force. Ils ne veulent pas, ils ont déjà compris, ils ne veulent pas faire ce que le Congo avait toujours fait. Parce que nous, on allait souvent à des négociations en état de faiblesse. Étant en état de faiblesse, on ne savait pas comment est-ce qu'on pouvait discuter. C'est pourquoi on nous imposait tout ce qu'on nous avait imposé, des mixages, brassages et consorts. Voilà qu'aujourd'hui, moi, je pense que le Rwanda et l'Ouganda savent que s'ils lâchaient sur le plan militaire, là, ils auront perdu tous les fronts. Alors, ils veulent aller à la table des négociations avec un front où ils y tiennent parce qu'ils occupent certains territoires. Et nous, nous allons rester sur le plan diplomatique, peut-être économique. C'est pourquoi nous, nous devons tout faire aujourd'hui afin de pouvoir nettoyer le terrain. C'est-à-dire, comme nous avons déjà une grande victoire diplomatique, comme nous sommes déjà puissants sur le plan économique, parce que le Rwanda aujourd'hui se retrouve en déficit, lui qui était premier producteur du coltan, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Le Rwanda qui était le premier exportateur, c'est-à-dire 63% d'or exporté à travers le monde, c'était le Rwanda, ce qui n'est plus possible aujourd'hui. Le Rwanda qui produisait déjà smartphones et qui reproduisait certains véhicules, ce qui ne s'est fait plus. Au Rwanda, l'économie est tellement par terre. Et vous voyez comment est-ce qu'il y a un fort exil de Rwandais en République démocratique du Congo. C'est une victoire sur le plan économique, sauf qu'il restait qu'à fermer la frontière pour rendre les choses très dures. Alors le Rwanda se rend compte qu'il n'a que l'aspect militaire. Le fait d'avoir envahi certains espaces, ça lui donne un peu de souffle. C'est pourquoi ils veulent tenir qu'à ça. C'est à nous maintenant de monter de pied d'escale pour renforcer sérieusement, garder un élan sans rupture, frappant sérieusement et entrer même au Rwanda. Que le Rwanda se sente tellement menacé, comme on l'a vu, Kagame a déjà commencé à pleurnicher. C'est déjà une force qu'on ne recule pas, qu'on ne soit plus virulent sur le plan diplomatique, sur le plan économique, sur le plan militaire. En ce moment-là, lors des négociations, nous serons le plus grand gagnant. Parlons... On va renverser la médaille. Voilà. Parlons de cette diplomatie, docteur Patrick Bala. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut maintenant dialoguer avec ces gens? Ou soit ça n'a rien... pas des concrets, mais ça n'a aucune importance, voilà, aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut tout de même dialoguer. Est-ce que sommes-nous en position de force pour se retrouver sur une même table avec les autorités rwandaises pour qu'enfin, elles puissent nous dire ce qu'elles viennent chercher en République démocratique du Congo avec leurs troupes? Ouais, parce qu'il faut savoir que toute guerre au monde, même celle de 100 ans, la guerre de 100 ans, finissent toujours par les négociations. On peut se bagarrer à la fin, on cherchera à comprendre pourquoi vous vous êtes bagarré afin de trouver une paix durable. Parce que j'ai toujours souligné qu'il y a paix éphémère et paix durable. Oui. Qu'est-ce que le Congo cherche aujourd'hui? Tout dépend de ce que nous cherchons. Si nous cherchons la paix éphémère, faisons ce que Kabila avait fait. Pour qu'il y ait toujours de récidives, après AFDL, CRCD, après RCD, c'est CNDP, CNDP, M23, et aujourd'hui, totalement, c'est le Rwanda lui-même et l'Ouganda. C'est à nous de choisir. Mais voyant la démarche du président de la République, lui veut vider cette question une fois pour toutes, c'est-à-dire il cherche la paix durable. Et pour chercher la paix durable, le premier à pouvoir s'assumer, c'est nous-mêmes d'abord. Soyons fermes sur le plan diplomatique, soyons fermes sur le plan économique, soyons fermes sur le plan militaire. Donc nous sommes en état de force aujourd'hui, mais ce n'est pas complet. Ça sera tellement complet quand nous serons vraiment une grande menace militaire avec une armée de persuasion qui fait peur à toute la région. Et pour être une armée de dissuasion ou de persuasion, il faut frapper. Et quand vous frappez, ces pays sentent la douleur. En ce moment-là, vous restez totalement fort et pendant longtemps fort et vous pouvez imposer, même lors de la frappe, soit l'annexion du Rwanda que j'ai toujours rêvé pour taire totalement ses velléités, c'est une voie d'une paix durable, soit renverser les régimes du Rwanda, permettre aux Hutus de rentrer pour qu'il y ait un équilibre, il n'y ait plus de déséquilibre au Rwanda, qu'on ne soit plus menacé, soit favoriser une vraie démocratie au Rwanda. C'est ça le sens de grandeur et de puissance. C'est dans cette optique que nous devons entrer. Oui. Alors, comme étant donné déjà à Addis Abeba, qu'on a commencé déjà à vider les alibis du Rwanda,
Rwanda jouait surtout avec les Pantins mettant devant dire M23, tout ça, pour que nous présente des cahiers des charges qu'on aboutisse à des brassages, mixages et tout ça. La haute infiltration et la forte infiltration. Aujourd'hui, Tshisekedi a réussi deux grandes choses sur le plan diplomatique. La première chose, c'est retourner Kagame à la table des négociations dans le cadre formel. Kagame avait toujours l'habitude de nous coincer pour nous amener dans un cadre informel. Tous les accords que nous avons signés, les accords bidons, ces accords étaient signés dans des cadres informels, dans lesquels le Rwanda n'avait pas de redevance, dans lesquels il n'y avait pas de régime de sanctions. C'est pourquoi le Rwanda n'a jamais respecté, que ce soit l'accord d'Addis Abeba. Tout ça, le Rwanda n'a jamais respecté. Tshisekedi a compris ça. Tshisekedi ramène le Rwanda. Kagame revient maintenant à la feuille de route de Luanda, parce que dans le cadre formel où il y a même des sanctions et tout le monde est contre lui, c'est ce qu'il a affaibli. Mais nous, nous devons toujours maintenir notre force, avoir un discours comme nous avons vidé le discours sur les Tutsis congolais qui ne concerne pas le Rwanda, parce que s'ils s'en tiennent ça, nous aussi nous allons régler les injustices qu'il y a au Rwanda pour permettre aux Hutus de rentrer au pouvoir, si Kagame veut cela. On a vidé cette question d'œuf de l'air, même s'il y a eu une mauvaise communication du ministre des affaires étrangères, Lotondo, là, oui. qui a pataugé, nous ne sommes pas d'accord avec cette posture, parce que nous reconnaissons qu'il n'existe plus de FDLR. Ils ont été rapatriés plusieurs fois. C'est Kagame qui a monté ces pantins qui viennent jouer pour l'exploitation de nos ressources naturelles. Voilà, docteur Patrick Bala, nous sommes presque à la fin. Pour la suffisance qu'il n'y a plus de FDLR en République démocratique du Congo. Très bien. Donc on reste fort sur le plan diplomatique, économique et militaire. Je pense à ces négociations, nous serons les grands gagnants. Finissons juste par un mot. En termes d'attente, voilà, avec la nomination de Mme Judith Touluka, voilà, comme première ministre en République démocratique du Congo. Qu'est-ce que vous attendez d'elle sur le plan sécuritaire, comme elle-même a y aller dire, en gardant une pensée à toutes ces hostilités aujourd'hui qui se passent dans l'est du pays? Ouais, d'emblée, d'abord, au nom de mon organisation, la NOVIC, Alliance pour la Nouvelle Vision du Congo, nous lui présentons des sincères félicitations et le fait d'avoir accepté, c'est-à-dire qu'elle a du courage pour pouvoir travailler. C'est une dame que j'ai connue de passage, j'ai senti son travail, parce que c'est elle en tant que ministre du Plan, c'est ça le moteur du gouvernement Sama Lukonde. En tant que ministre du Plan, c'est-à-dire elle a déjà une vision du pays. J'ai suivi sa biographie, elle n'est pas novice dans plusieurs choses en termes de développement surtout, oui. Mais j'ai aimé son speech, les faits. De pouvoir reconnaître avant toute chose la situation de l'insécurité à l'Est et qu'elle voudrait qu'il y ait la paix, mais sachant qu'elle ne va pas réussir seule. Elle ne va pas réussir seule, qu'on entre dans une dynamique de sommation, de génie, de sommation, d'expertise. Tout le monde, nous devons l'aider, nous devons l'accompagner. Elle seule ne pourra pas réussir. Tout dépendra aussi du type de gouvernement qu'elle aura. Ça dépendra aussi de l'oreille. Si elle a une oreille d'écoute, qu'elle ne soit pas une première ministre qui aura trop de protocoles pour l'avoir discuté et voir échanger. Et moi, je préfère qu'elle soit trop proche à l'écoute, qu'elle soit une dame tout de terrain. Parce qu'elle est une femme de terrain, je sais. Oui. Finissez, citez. Trop sur le terrain à l'Est, marchant avec toutes les dames ici à l'Est, parlant avec toutes les couches, les jeunes, les mouvements citoyens, la société civile et toutes les couches, pour appréhender ce qu'il y a et prendre les propositions et les mettre en exergue. Très bien. Merci beaucoup, docteur Patrick Bala. Je vous dis, en tout cas, merci d'avoir accepté. Un vrai ministre. Voilà, nous sommes à la fin. Merci, docteur Patrick Bala. De l'intérieur, je pense qu'elle aura résolu tout. Je vous remercie. Voilà. Mesdames et messieurs, voilà, c'était là, docteur Patrick Bala, comme je le disais. On n'a pas beaucoup de minutes à échanger avec, pour échanger voilà, avec lui, mais quand même, l'essentiel a été dit. Il vient de faire un décryptage complet de cette situation. Mesdames et messieurs, en tout cas, il faut le préciser, pour les affrontements qui ont eu lieu hier, on n'a pas enregistré des avancées de part et d'autre.
eh bien, les FARDC qui avaient pris quelques collines, disons une seule colline, ils étaient obligés même de revenir pour ne pas aussi permettre à l'ennemi de lui laisser cette profondeur pour qu'il prenne le contrôle de la cité de Saki. Voilà pourquoi les FARDC ont abandonné. J'ai dit bien une seule colline. Et au M23, parce qu'il fallait revenir, en tout cas tout près de ça, pour bloquer, pour maintenir les verrous, ça a été fait. Et jusque-là, pas grand-chose à signaler justement autour, pour ce qui concerne les affrontements d'hier. Les attaques voilà, autour des Windy, entre les des forces, les affrontements, on n'a pas aussi enregistré des avancées significatives. Mais mesdames et messieurs, nous allons tout simplement y revenir prochainement pour vous en dire un peu plus. Alors, c'est par là que nous mettons un point à notre production d'aujourd'hui. Mesdames et messieurs, joignez-vous à nous en nous écrivant au plus 243 9 98 72 43 14. Au plus 243 9 98 72 43 14. Le plaisir sera pour nous renouveler de vous compter nombreux. En train de nous suivre une fois de plus demain, Congo Live vous accompagne. Aimez, partagez, commentez toutes nos productions, vos conseils, vos remarques, vos suggestions sont aussi les bienvenus pour améliorer nos productions.